depuis un moment. Oui, j'ai mis depuis un moment. Coucou les fondateurs, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien, puisqu'on se retrouve dans la deuxième vidéo de la présentation de tous mes jeux de société. Donc sans plus tarder, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais commencer. Après vous avoir présenté tous mes classiques aux classiques, là je vais vous présenter genre tous les autres jeux. C'est tous les jeux auxquels on ne pense pas forcément pour mettre dans sa ludothèque, et tous les jeux qui sont forcément exceptionnels. Tous ne sont pas forcément exceptionnels, je raconte n'importe quoi, mais il y a vraiment des petites pépites dans mes jeux. Voilà, je ferai des tops. J'ai prévu de faire un top de mes 10 jeux de société préférés. Je suis en train d'y réfléchir, mais c'est très compliqué de faire des choix parce que j'en aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça risque d'être un peu compliqué, peut-être que je vous ferai par catégorie, mais on n'y est pas encore. Donc sans plus tarder, je commence par 300 questions d'Harry Potter. C'est un peu le bébé du Trivial Pursuit Harry Potter, le temps que j'obtienne un Trivial Pursuit Harry Potter. Je vais ranger n'importe comment là. Regardez, là j'ai ça comme ça, et quand je retourne, c'est pas bien. Ah, ça me stresse quand c'est comme ça. Oh, j'espère que toutes les boîtes sont pas comme ça parce que sinon je suis mal barrée. Hein. Ça va être super long au montage. Voilà. Donc c'est un jeu d'ambiance, de culture générale spécifique à Harry Potter, pour un nombre de joueurs de 2 à 8, sachant qu'on peut également jouer tout seul, pour des parties d'environ 15 minutes et à partir de 7 ans. Ensuite on a un de mes jeux à rôle caché préféré puisqu'il s'agit de Avalon. Avalon qui est un jeu de déduction et surtout de rôle caché, comme je disais, de bluff. C'est un jeu pour 5 à 10 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes, à partir de 16 ans. En vrai, on peut jouer un petit peu avant, c'est juste qu'on s'engueule tellement fort qu'il vaut mieux pas qu'il y ait des enfants sur le champ de bataille. C'est trop bien comme jeu. On se déteste à la fin, mais c'est trop bien quand même. Ensuite j'ai Balance ton pote, qui est un jeu d'ambiance pour 2 à 12 joueurs, pour des parties de 5 à 20 minutes, à partir de 16 ans. Ensuite j'ai Bank the Bullet. Bank the Bullet, c'est le bank classique avec toutes les extensions et là la petite toile de shérif. C'est un jeu à rôle caché de combinaison de cartes, pour 3 à 8 joueurs, pour des parties de 20 à 30 minutes, à partir de 10 ans. Ensuite j'ai Bluff Party. Bluff Party, c'est un jeu d'ambiance pour 2 à 50 joueurs, parce qu'il y a 50 cartes, qui peut se durer pendant tout le temps d'une soirée ou d'une après-midi, le temps que vous voyez vos amis, à partir de 15 ans. Ensuite j'ai un petit Buzz It, c'est un jeu d'ambiance, de rapidité, pour 3 à 16 joueurs. J'ai déjà joué à bien plus que 16 joueurs, ça fonctionne aussi, il faut juste pas avoir un peu trop de renouvance, pour des parties d'environ 15 minutes à partir de 7 ans. Je conseille juste d'y jouer par catégorie d'âge, c'est-à-dire que ne dites pas autant de bêtises que vous direz à 18 ans à vos enfants de 7 ans. Voilà, je glisse juste l'information. Ensuite j'ai Chabyrinthe, que j'ai depuis pas très longtemps, qui est un jeu de stratégie de placement presque pour enfants parce qu'on peut y jouer à partir de 6 ans. Et c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes. Oh, tout se pète la gueule. Et on a évité la catastrophe ou quoi? Il y a une petite catastrophe mais ça va, j'ai vu pire. Ensuite j'ai Chimère, qui est un jeu de combinaison, de placement et d'observation, pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 30 minutes à partir de 8 ans. Contrario est un jeu d'ambiance et de rapidité, pour 3 à 10 joueurs pour des parties de 20 minutes à partir de 12 ans. Croix est un jeu d'exploration, de pose des tuiles, à partir de 6 ans pour des parties de 20 minutes et pour un nombre de joueurs entre 2 et 4. J'ai également un Devine la scène, Le Seigneur des Anneaux, qui est un jeu de culture générale spécifique au Seigneur des Anneaux, pour jouer entre 1 à 10 joueurs. Effectivement, on peut également s'entraîner et jouer tout seul, pour des parties de 5 à 20 minutes à partir de 14 ans. Ensuite, mes frères, j'y ai joué un petit peu parce que j'étais dans leur monde, ont Donjons et Dragons, le jeu de plateau avec leur extension. C'est un jeu de plateau, de stratégie, un jeu de rôle également. On peut y jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'un petit peu moins d'une heure. Explosion Kitten, qui commence à devenir assez connu, est un jeu d'ambiance, de combinaison de cartes, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes, à partir de 7 ans. Foufoufou, qui est actuellement en congé chez Constance, puisque je l'ai oublié la dernière fois. Foufoufou est un jeu exceptionnel, d'ambiance et de défi, pour 3 à 8 joueurs, pour des parties d'environ 15 minutes, à partir de 8 ans. Incroyable ce jeu. Gymkhana est un jeu que j'ai failli mettre dans la vidéo précédente, mais c'est un jeu tellement bien, que j'ai même pas envie de le catégoriser dans un vieux jeu, parce que je suis certaine que je pourrais parfaitement y rejouer cette année. C'est un jeu de placement de jetons pour 2 joueurs, à partir de 6 ans, pour des parties de 5 minutes, donc c'est un jeu vraiment express. Très grand jeu pour 5 minutes de partie. Après on joue beaucoup de fois, mais c'est vraiment très très chouette comme jeu de placement. Ensuite j'ai Anabi, Anabi qui est un jeu coopératif pour 2 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. Ensuite j'ai Harry Potter Mystère à Poudlard, qui ressemble un petit peu à un Cluedo, donc c'est un jeu compétitif de déduction, pour 3 à 6 joueurs pour des parties de 100 à 120 minutes à partir de 8 ans. J'ai également Harry Potter Une année à Poudlard, qui est un énorme jeu dont j'ai fait déjà un post Instagram. C'est un jeu de plateau, de gestion de main, pour 1 à 8 joueurs pour des parties de 20 à 45 minutes à partir de 7 ans. Ensuite la semaine dernière j'ai trouvé 3 jeux dans la rue, donc 3 jeux gratuits dans ma bibliothèque exceptionnelle. J'ai trouvé donc Intrigue à Venise. Intrigue à Venise est un jeu de plateau à rôle caché, de déduction, d'objectifs. Je n'ai pas encore tout compris, je n'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais ça ne saurait tarder, j'espère que le jeu est pas trop incomplet. Mais en gros c'est un jeu de 3 à 4 joueurs pour des parties de 82 minutes quand même à partir de 10 ans. Jamaica est un jeu qu'on m'a offert l'année dernière sur un thème de pirates et de bateaux et tout, c'est exceptionnel comme jeu. C'est un jeu de plateau,
de course, donc compétitif, pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 40 minutes à partir de 8 ans. Je regarde un petit peu mon papier parce que j'ai pas envie de vous me tromper dans les valeurs, et comme je suis un petit peu pressée, j'ai pas le temps d'apprendre chaque détail à chaque fois. Quand on me demande un jeu de 4 à 6 joueurs, je sais quel jeu, mais là, tout retenir, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, j'ai le jus du cul, le Vice Ultime. Je n'ai même pas la version classique, j'ai vraiment l'extension. Voilà, moi j'ai directement parti par là. En vrai, je crois que j'avais une réduction sur celui-là et pas sur l'autre, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Concrètement, je ne pense pas que ça change grand chose, mais en tout cas, c'est un jeu d'ambiance, de rapidité pour 3 à 10 joueurs, sachant qu'un jeu d'ambiance, on peut toujours y jouer à un petit peu plus, pour des parties d'environ 30 minutes ou moins ou plus en fonction de ce que vous avez envie, à partir de 16 ans, voire de 18. Ensuite, nous avons la boîte à quiz Top 50, qui est un jeu d'ambiance et de culture générale basé sur la musique. C'est un jeu pour 2 à 12 joueurs pour environ 30 minutes de partie à partir de 12 ans. Je ne connais pas beaucoup de choses dans ces cartes. Voilà, ma culture générale est à refaire grâce à ça. Ensuite, je possède La Casse des Papels, le jeu, le vrai jeu de société, qui est un jeu à rôle caché de déduction pour 4 à 8 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes et à partir de 10 ans. Très très chouette jeu à rôle caché. J'adore les jeux à rôle caché, si vous ne l'avez pas remarqué. Ensuite, j'ai la course à l'héritage. Vous voyez comment la boîte est vieille, je sais qu'il y a une nouvelle version, mais ça, je l'ai reçue quand j'étais toute petite. Et avec Céline, j'y ai beaucoup, 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 beaucoup joué. Franchement, une vraie passion, ce jeu de société pour enfants. Et donc, c'est un jeu de plateau de déplacement pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 45 minutes à partir de 8 ans. J'y ai beaucoup joué quand j'étais petite. Je recommande vivement, voilà. Et pour finir cette vidéo, j'en prendrai évidemment là où je me suis arrêtée pour la troisième et dernière vidéo. Mais donc, pour cet ultime jeu de cette deuxième vidéo, j'ai le Donjon Nightbuck. Le jeu. C'est un jeu de défi de coopération pour 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Très très chouette jeu. C'est un de mes premiers jeux de société en soi. J'ai toujours aimé les jeux de société, mais là vraiment depuis quelques années c'est une vraie passion et je veux toujours découvrir des nouveaux jeux. Mais là c'est un de mes vieux jeux de société. Donc voilà, mon frère m'a fait découvrir le Donjon de Nightbuck, et ce jeu là pour les fans du Donjon de Nightbuck est foncé. C'est l'un des meilleurs trucs qui existent pour cet univers. Donc très chouette. J'ai vu qu'il y avait des extensions sur MyLudo. Je m'empresserai d'aller les acheter. D'ailleurs, je me suis créé un compte sur MyLudo. Je vous mettrai mon petit pseudo en description, mais j'ai découvert cette passion. C'est exceptionnel. Je me suis juste rendu compte que genre mes jeux coûtaient 1200 euros. Voilà, j'étais en mode ah ok d'accord, j'ai un SMIC pour mes jeux de société. Très bien, voilà voilà. Voilà, ça pourrait me permettre de classifier et de m'aider à m'organiser et à découvrir surtout des nouveaux jeux de société et tenir un jour ma wishlist pour que je puisse savoir où est-ce que j'en suis, de où est-ce que je dois acheter d'occasion mes jeux de société. Sachant que je rappelle que les jeux de société, vous pouvez les acheter sur Ocaseo. Je mettrai aussi le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment le saint graal pour les jeux de société sur Terre. N'hésitez toujours pas à me dire vous, vos jeux de société préférés, les jeux que vous avez chez vous, etc. en commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, vous pouvez vous abonner. Et surtout, jouez bien! C'est Petit Panda, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, vous pouvez vous abonner. Tchuss. Il y a des trucs qui tombent.